Mesdames, Messieurs, je vous ai fait découvrir cette ambiance ici à Fontenay-sous-Bois. Vous avez vu quelques groupes qui ont presté. Vous avez vu en tout cas l'organisation et tout. Cette fois-là, j'ai à côté de moi l'incontournable, le héros dans l'ombre. En tout cas, je parle de Hafouz et de la star hein, que je ne vais plus présenter. De toute façon, Jesse Matador. Je vous dis à vous, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Jesse. Bonsoir. Alors, je commence par toi, l'organisateur. Alors, Hafouz, qu'est-ce que ça te fait de voir un tel monde vraiment ici à Fontenay? Ça fait chaud au cœur et ça montre que voilà, tout le monde est considéré par la, voilà, par la cause. Et en plus de ça, on a eu voilà, un show d'exception, un show de haut niveau avec des danseurs de haut niveau. Voilà, tout le monde a répondu présent et ça fait plaisir tout simplement. Alors, Jesse Matador, star mondiale, star internationale, reprendre présent. Je sais que c'est ton frère, à la fois dans le showbiz et tout. Reprendre présent, en tout cas, à une cérémonie pareille, c'est quelque chose à féliciter. Qu'est-ce que tu en penses de l'organisation? L'organisation vraiment carrée. Après, c'est vrai que, tu sais, ce qui est bizarre, c'est que chaque année, je devais être là à chaque fois. J'ai toujours un déplacement, j'avais toujours une galère. Là, pour le coup, j'avais une presta hier soir. J'ai préféré ne pas dormir pour être là aujourd'hui et être présent. Parce que Hafouz, c'est quelqu'un qui bosse bien, qui bosse sérieusement. Et moi, comme je connais depuis longtemps, je dois lui donner la force. Si demain il m'a besoin de moi pour quoi que ce soit, je serai là parce que c'est mon frère et parce que j'aurais aimé que moi aussi plus jeune, j'ai quelqu'un comme ça qui nous fasse émerger. Justement, la présence de Jesse Matador, c'est quand même la pointure en ce moment, la star internationale qui reprend présent à ce que tu fais, mon frère. Qu'est-ce que tu dis de lui? Écoute, franchement, ça fait plaisir parce que vous savez, ici, ça a été notre ville de rencontre. C'était mon professeur de danse à l'époque. Avant que je me mette de l'autre côté de la barrière hein, en tant qu'organisateur. J'étais danseur dans son équipe. Et donc, c'est un peu le destin de se revoir ici, autour d'un show. Et voilà, que chacun voilà, contribue à un show comme ça, c'est vraiment un plaisir. Et en plus, on a eu voilà, le partenariat de l'association Aider ce regard cette année, voilà, qui a appuyé aussi, voilà, avec qui on a vraiment travaillé pendant quelques mois sur ce show. Et ça fait plaisir que chacun y trouve son compte et surtout ça nous fait plaisir de représenter notre pays. Voilà, honorablement, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, voilà, c'est la même chose, c'est la même cause, voilà, c'est l'Afrique. Donc on ne peut que être concerné par cette cause-là. Aider son regard, viens mon frère, viens par ici, viens. Aider son regard, mesdames, messieurs, tout à l'heure j'ai dit qu'il devait avoir une séance, en tout cas de partage avec une association qui aide les handicapés et tout. Le président, je l'ai présenté tout à l'heure, c'est Baudry Maswanga. Alors, Jesse Matador, star international, Hafouz, régulateur, toi-même tu sais, Brazza à Paris, avec lui bien entendu. Un mot à côté de ces... Bah écoutez, c'est un grand merci déjà pour l'événement. Donc voilà, pour le soutien que Jesse a pu apporter pour l'association Aider Sans Regard par sa présence ici. Donc voilà, qu'est-ce que dire de plus? Déjà, on est très content de ce qui se passe en ce moment. Donc encore grand merci à Hafouz pour l'événement qui a pu faire connaître aussi en quelque sorte l'association Aider Sans Regard. Hafouz, Jesse, on est suivi sur Kinshasa, sur Brazza. Nous sommes sur DRTV et Télécongo à la fois. Banakin, Bazulanda, et à Brazza après quoi. Alors en tout cas, un petit mot à tous les gens de Kin et de Brazza, surtout de Brazza parce que j'ai fait un morceau aujourd'hui. Tu sais quand j'étais à Pointe-Noire en décembre,
et j'ai vraiment découvert la culture du coupé, du décalé congolais. Et vraiment, j'ai vraiment fait un morceau où je rendais hommage à tous les DJ de là-bas. Iko Télé, DJ Rox, Migo One, tous ces gars-là. J'ai fait un morceau, j'ai pris vraiment un big up à tous ces gars parce que c'est des gars, ils font du bon boulot. Et ce qui est dommage, c'est qu'on les voit pas sur Trace TV. On les voit pas dans les radios, c'est vraiment ce qui est dommage. Moi, j'ai vraiment un projet de venir faire une compile de moi avec mon label, avec tous les DJ du Congo, clipper tout pour qu'on puisse booster quoi. On va en parler ça avec Afous pour que ça puisse booster parce que c'est dommage. Les gars ont du talent, ils sont forts, les mecs du Congo, ils sont vraiment forts, mais il n'y a pas de médias pour relayer le truc. C'est clair. On va retourner là-bas, une fois de plus avec Eker bien sûr. Et voilà, j'aimerais rajouter aussi qu'il y a un Melting Crew Brazza qui est en préparation. Voilà, on essaie avec nos petits moyens de pousser un peu la danse artistique là-bas. Il y a énormément de danseurs hip-hop. Vous en avez eu, Renaissance Crew, qui venait justement directement de Brazza. Donc je place déjà un bonjour à tous les danseurs de Brazza voilà, qui me connaissent et qui attendent justement ce Melting Crew à Brazza. Voilà. Ok, d'accord. Merci à vous, merci. Merci. Monsieur, toujours au Melting Crew avec l'événement, vous le savez, je vous présente quelques membres accompagnés de la Miss, en tout cas la Miss Nationale Congo. Je vous présente le président officiel de l'association Aider Sans Regard. Je vous signale en passant, moi, c'est lui qui va le dire, qui est le chargé de la communication. Vous le saurez tout à l'heure. Alors, sans plus tarder, c'est bon, Baudry, comment tu vas ?
Bah ça va, merci. Alors comment ça se passe ici avec l'événement et tout ça? Ça se passe très bien déjà, vous-même vous voyez l'ambiance qu'il y a. Donc déjà on est très content pour l'apport de tous les participants. Donc et déjà aussi de la présence de la Miss qui est à côté de nous. Donc vraiment nous sommes très 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 contents. D'accord. Alors justement un membre qui va se présenter par rapport à Aider son regard. Je m'appelle Rolf Leurtchkaya. Je suis venu responsablement de Metz pour assister à cet événement parce que Baudry c'est un frère. Je ne pouvais pas manquer à cet événement parce que cet événement consiste vraiment à aider nos frères qui sont au Congo dans le cadre de toutes les difficultés qu'ils ont. Donc c'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici. D'accord. Alors, Merveille, Miss, chaque fois tu es dans les soirées, défilé de monde à Paris, en Italie, à Londres, tu es un peu partout, moi je le sais. Et on retrouve Merveille avec une association, Aider son regard. Qu'est-ce qui se passe exactement en fait, la présence de la Miss? Ce qui se passe, c'est que, en fait, moi, sachant que pendant l'élection, mon projet c'était quand même d'aider les dispensaires au Congo. Voilà, et grâce à ça, j'ai pu connaître l'association, qui est une très bonne idée, qui est une très bonne initiative. Et je soutiens à fond. C'est une très bonne idée parce que. On essaie de mobiliser les jeunes aussi pour y participer, d'où l'idée de ramener un petit cahier, un petit stylo. On sait que ces choses-là, on les a toujours au fond de nos tiroirs à la maison. Voilà, au lieu que ça reste comme ça, si on peut aider, ça serait pas mal. Alors président, c'est une petite pause en fait pour permettre aux d'autres artistes et candidats de s'installer. Dis-nous ce qui va se passer tout à l'heure avec Aider son regard. Bah, ce qui va se passer, c'est qu'avec le matériel qu'on vient de récupérer, donc on va essayer de se préparer pour l'acheminer à Brazzaville. Donc on aura besoin de tout le monde, les efforts de tout le monde, parce que la porte elle est ouverte à tout le monde, à tous les gens de bon cœur, voilà, afin qu'ensemble qu'on arrive à faire quelque chose. D'accord. Et le voyage, le déplacement pour Brazzaville, c'est pour quoi à peu près? Le projet, il est en marche déjà, donc on est en train de voir pour la présentation officielle de l'association Aider son regard à Brazzaville cet été. Ok, d'accord, on se retrouve tout à l'heure. Le show reprend. Mesdames, messieurs, restez scotchés. Nous sommes à Fontenay, ça se passe ici avec les amis de Aider son regard. On repart tous de l'autre côté avec le show qui reprend. A très bientôt, c'est parti.
Je ne peux pas faire de l'histoire 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 de l